Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Phoenix Point. Donc, la dernière fois, on était au milieu de cette mission. On venait de se faire prendre Sophia Brown par un. Comment il s'appelle cela déjà? Je ne me rappelle plus. Enfin, ils sont contrôle mental. Et on était dans la merde. Donc, du coup, ce qu'on va faire. C'est qu'on va essayer d'aller la sauver quand même, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Sachant que là on avait dit qu'il fallait que je fasse le tour du bâtiment pour pouvoir venir ici. Et là il reste lui. Alors mon sniper, est-ce qu'il a joué déjà? Non. Alors. Sur qui tirer? Moi je dirais plutôt lui. Hein. Ou éliminer l'autocontrôle mental là, comme ça on n'en parle plus. Ouais. Ah, il y a lui là-bas aussi. Ouais, mais lui, est-ce qu'il peut lui tirer dessus? Ouais, non, pas assez. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Il y a lui, mais il va peut-être crever lui, non? Il a combien de PV? On va les voir après. Moi, je tirerais plutôt sur lui. Ah, ça lui fait pas grand chose, hein. Ça pourrait lui empêcher de se déplacer si je lui pète la jambe, peut-être. Il se déplacerait moins, il prendrait du saignement. Là, il pourrait moins me taper si je tape dans le bras. Carapace, c'est pas ouf, hein. La jambe, c'est peut-être le mieux. Hein. Vas-y, tire dans la jambe. Voilà. T'as pas un tir au pistolet aussi? Si, voilà. Très bien. Sur lui, le tir au pistolet. Targeting. Sinon, je fais ça? Non. Ça suffira pas. Oh, ça le tuerait pas. Ça vaut pas le coup. Ce qui vaut peut-être le coup, c'est de taper lui. Voilà. On s'en parle plus de lui. Très bien. Ensuite, Flo Vincenzo, il va venir ici. Et il va cogner sur ça. Voilà, très bien. Parfait, j'ai perdu mon tour de Sophia Brown, mais c'est pas grave. On s'en sort plutôt pas mal. Si je fais ça, courir. Peut-être revenir là. C'est peut-être pas mal, hein, de revenir là. J'en ai un là-bas. Un là. Peut-être que ce serait malin de venir se mettre en hauteur là, non? Peut-être pas. Pas trop ici, je suis pas mal. Alors lui il est apeuré donc il va se barrer, ça veut dire. Vas-y, tu vas venir là toi. Courir là. Ouais, mais lui il a un fusil à pompe en plus je crois, non? Je sais plus. Ok, donc toi tu vas venir. Toute façon tu vas pas pouvoir tirer sur qui que ce soit. Tu vas venir là. Voilà. Et tu peux tirer sur lui là-bas, mais on s'en fout. Ensuite, il nous reste elle qui va pouvoir venir là et tirer sur l'autre au bout là-bas. Alors, elle, par contre, on va la faire tirer sur lui. Voilà, c'est pas ouf, hein, mais bon, allez, c'est mieux que rien. Oh, elle est complètement ratée. Complètement ratée. En équipement endommagé, c'est mieux que rien aussi, on va dire. On va dire. Et mais attends, lui, le sniper, il pourrait pas descendre là. Et après descendre là-dedans, non? Ah non. S'il rentre là dans la porte, il peut aller où après? Il peut aller ici, faire le tour.
Ouais, c'est pas ouf. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne après. Il y avait des, j'avais des invisibles aussi, non? Ah oui. Je me rappelle plus de ça. On va voir. Oh là. D'accord, direct. C'est quoi ma mission d'ailleurs? Il se barre, non? 3 points de volonté. Ok. Ah ouais, lui il a un sniper là-bas, non? D'accord, hein. Lui là. Corrupteur. Alors, là, il faut qu'on avance. C'est quoi? Sécuriser la zone, redémarrer le système de sécurité. Lui il a un sniper là, hein. Putain, ouais, lui il a un sniper là. Ça va être chaud ça, s'il a un sniper lui. Ah, il y a l'autre qui a mis de la fumée là. C'est pas ouf du tout ça, ça me plaît pas du tout moi. Sniper déjà, première attaque. Il peut attaquer lui là-bas, je pense qu'il peut le tuer lui là-bas. Lui il doit pouvoir le tuer non? Au sniper s'il te plaît. Ouais, ça en ferait un de moins. Voilà, ça c'est très bien ça. Ça, c'est parfait. Ensuite tu vas tirer. Sur lui, ouais. Ça me plaît bien, ça. Ça me plaît bien. Ensuite, Sophia Brown, elle. Putain, ce qui m'embête, c'est qu'il faut que j'avance et en même temps que je couvre mes gars. Toi, tu vas venir ici. Alors, attendez. Toi, tu vas venir là. Ok, j'ai détecté un ennemi. Je sais pas lequel. Tu vas venir ici. Attendez, je m'en sors pas là, voilà. Tu vas venir ici. Moving. Là. Et tu vas tirer. Est-ce que tu peux tirer sur lui là? Ouais, si je le touche 6 fois, il meurt, mais bon. C'est chaud, c'est impossible. Ok, sur lui. Tu le toucheras pas là-bas. On peut tenter de tirer sur lui. Bon, on l'a un peu blessé, c'est pas mal. Je pense que je vais venir me mettre en. En. Comment ça s'appelle? Toi, tu vas te mettre ici. En vigilance. Vigilance comme ça. Comme ça plutôt. Parce que lui il est presque mort là. On va essayer de le. Je vois, lui il a un pompe non? Ah non, c'est une. C'est pas un pompe celui-là. Il est un peu loin. Est-ce qu'on pourrait pas s'avancer légèrement? Le problème c'est que là il y a les autres qui vont arriver d'ici après. La question c'est est-ce que si je viens là ça suffit pour réactiver le machin? Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. J'aurais bien voulu tuer le suceur de tête là. Ça m'embête un peu ça. Toi tu peux courir. Viens courir là. Ça me coûte qu'un point d'action ça. Hein. Ouais, tu viens courir là. Ok, et déplace-toi. Oh, c'est nul. C'est Rachi. Tant pis. On va se mettre là. Et avec ça, on va tirer sur lui. J'aurais bien voulu le tuer. Oh là là. Non, quelle horreur. Putain, je l'ai même pas touché. Fantastique. C'était de la merde, cette action. Toi, tu vas venir te mettre là. Je suis un petit peu trop à découvert et ça me plaît pas du tout. On va voir ce qui va se passer là. Je suis pas fan du tout de ça. Oh non, encore un corrupteur. Je sais pas si l'autre il va pouvoir m'atteindre là-bas d'où il est. C'est quoi ça?
Et ton tueur. Ah ouais, merde, le sniper. Heureusement qu'il m'a loupé. Normalement, il peut pas tuer deux fois. Hein. Je pense pas. S'il peut tirer deux fois, c'est abusé. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est quoi ça? Un Acheron. Acheron est une grosse unité pandorienne capable d'infliger différents états aux unités alliées et ennemies dans un large rayon. Champ de bataille, tuez-le au plus vite possible. Ok, carrément. Dégâts de corruption. Les dégâts de corruption infectent un soldat en état corrompu. Une fois que le soldat infecté tend et réduit sa volonté avec le temps. Chaque point de corruption augmente de 2 lignes. Oh, oh, d'accord. Ok, carrément. Hop, hop, hop. Ah oui, il a 750 points de vie. Sérieusement? Ouah, il a pris cher, putain. Sérieux? Bon, je prends Chéros là. C'est un peu à cause de mes erreurs aussi. Bon. Lui s'en va. Ça... Oh non, il va essayer de... Bon, il fait le tour, ça m'arrange. Bon, lui, il va rentrer dans mon champ de... Non, même pas, il part par là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, il se replie. Le Acheron, là, ça m'arrange pas, hein, du tout. Il va me tirer dessus, là. Ah non, vigilance. Vigilance de quoi? Oh non, il y en a un autre brut, là. Oh là, mais tout ce qu'il y a comme ennemi, mais c'est impossible. Je suis pas allé assez vite, en fait, je pense. Ok, sniper. Qu'est-ce que tu peux lui faire comme dégâts, toi? Oh! Ah, d'accord. Oh là, mais paye la vie qu'il a! Tête. Paye la vie qu'il a? Alors, attends. On peut achever lui. Ou lui là-bas. Lui, ce serait bien parce que c'est un sniper. Je saigne un peu, c'est pas grave. Est-ce qu'elle a des soins, elle? Pas de soin. Papillote n'a pas de soin. Oh putain. Papillote, c'est pas visé. Oh là là. Je passe le point d'action de toute façon. Là, je crois qu'on va tenter le. On va se tenter le coup de poker. T'as lui, il est blessé. Elle a 210 PV. On va venir activer la tourelle là et on va avancer jusque là après. Putain, encore des ennemis. On va venir se mettre ici peut-être. Elle peut pas courir. Ah oh, putain, trop tard. La loose. La loose. Alors attends, toi tu vas venir te mettre là. Et tu vas tenter de tirer sur lui. Ouais, vas-y, tente. Voilà, ok, un de moins, c'est déjà ça. Ok, ensuite toi, tu vas venir te mettre ici en vigilance par là. Voilà, toi, toi t'es un peu découvert, hein. C'est un peu chiant. Mais il y a quand même plus d'ennemis de ce côté-ci. Que je lui tire dessus le gros sac là. Pff, ça va rien lui faire. En même temps, faudrait le tuer quand même, ce serait bien. Ce serait bien de le tuer, ce truc là. Vas-y, incapable de toucher, mais c'est pas possible. Voilà, mais quelle équipe. Ok, bon. Voilà, des corrupteurs encore.
Ou c'était le même que tout à l'heure, je sais plus. Il y a le petit qui fait le tour aussi, il va falloir qu'on fasse gaffe. Ah vas-y, lui il met du noir de partout en plus. Oh non, non, non. Non, non, tu ne tires pas. Voilà, encore un corrupteur. Si je réactive le système... Ouch. Si je réactive le système de défense, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça m'aide vraiment ou pas? On va aller voir. Oh là là, qu'est-ce qu'il va faire? Oh là là, j'ai un peu peur de ce truc. Oh là là. Ok. Oh. Oh là là, corrompu. Alors, votre soldat est corrompu, ce qui réduit sa volonté. Plus la volonté d'un soldat est faible, plus il est susceptible de succomber à la panique ou au contrôle mental. En tant qu'effet secondaire intéressant, les secondaires corrompus affichent 2% de dégâts supplémentaires par point de corruption. Okay, la corruption est cumulable, donc si vos soldats sont attaqués plusieurs fois par un pendant incapable de corrompre, leur niveau de corruption augmentera. Ok. 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 Ok, donc effectivement, il faut le buter vite ce truc. Ok, donc là, ils ont pété ça. Fantastique. Ah, vas-y, maintenant, ils cassent tout. Je crois que cette mission pue l'échec, hein. Ok. Alors est-ce que elle... Ah, elle a pas assez de points de volonté. Prochain tour. Allez. Oui bah oui, je sais, il y a des méchants partout. Est-ce que je peux faire quelque chose? Oui. Ok, donc système sécurité redémarré. Donc normalement là les machins ils vont m'aider maintenant. Donc attends toi. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Putain mais quelle horreur. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Fantastique. Ok, vas-y, retire encore, s'il te plaît. Voilà. Ok. On tire à la tête ou on vise ça? Le torse plutôt, on va viser le torse, non? Ou la tête? Vas-y. Ok. Toi tu peux rien faire de plus. Sniper. Ah ouais, parce qu'il risque de me corrompre celui-là, lui, non? Où est-ce que je défonce, lui? Headshot. Vas-y. Bon. Vas-y, tire au pistolet. Daddy. Ça le tuera pas. Vas-y sur lui alors. Ok. C'est pas mal. Par contre il est... Pilote a plus beaucoup de vie hein. Bon qu'est-ce que ça va faire là, d'avoir réactivé le machin là? Est-ce que ça a fait quelque chose de bien ou pas? Oh là là. Ah oui, c'est pas mal. Ok. Ça réplique. Déjà, c'est bien. Ok, donc maintenant, il va falloir se défendre, quoi. Entre guillemets, se soigner aussi, surtout. Tour terminé. Ah non, 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 non. Non, non. Ouf, putain, ouf. Ouf. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, il casse tout, quoi. Bleu. Allez, vas-y, mon sniper, il était pas assez blessé comme ça. J'aurais pu le tuer lui en vrai. Qu'est-ce que tu fais? Encore? Putain, ça leur fait pas trop de dégâts, ça va.
Est-ce qu'il restait beaucoup de tourelles qui allaient m'aider là? C'est pas gagné ça, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il en restait beaucoup. Oh là là. Ah, il en reste une là. Il en reste une. Ah non, elle est pétée là-bas. Putain. Le sniper va me faire chier, je sens. Oh oui! Oh oui! Joli. C'est tout. Putain. Force Phoenix. Ça m'aide pas du tout. On a un plan, ouais. Ce serait déjà d'aller défoncer ce truc-là parce que. Attends, si je viens là, je peux mettre un coup de crosse gratos et tirer sur l'autre. Enfin, gratos, non, c'est pas gratos, mais. Je peux faire ça. Putain, ça le tue pas, mais sérieusement. Vas-y, bah tue-le, lui, hein. Vas-y. Voilà. Putain, je pensais que ça le tue. Je pensais que ça le tue. Vas-y, bah on recharge si t'as plus de balles. Hein. Ok. Par contre, c'est pas ouf comme cover là. Je peux pas re-rentrer à l'intérieur là, des fois. J'ai plus à couvert. Ouais. Hop. Et l'autre, il est où là? Il est passé derrière là, il y a un des correcteurs qui est derrière là. Alors, sniper. Elle, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut tirer sur lui là-bas, ce serait bien de l'achever, ouais. Visée libre. Est-ce qu'on peut le tuer là? Ce serait bien ça. Quoi? Comment ça? Comment ça? Sérieusement, mais putain. Je vais pas y arriver, moi. Alors, toi t'as du soin, est-ce que tu pourrais atteindre lui? Non. Même en deux tours, elle peut pas l'atteindre. Ça me bouffe 3 points de... Alors attends, toi, tu peux tirer sur celui qui est là-bas. C'est lequel ça? Comment ça, tu le vois d'où? Ah oui, d'accord. Nope. Tu vas te faire lui, hein. T'as rien dans ton sac, toi. Oui, à part des balles, t'as rien du tout. Ok. Bah vas-y, on va finir lui, ça évitera qu'il me tire dessus. Vas-y. Voilà. Comme ça, on n'en parle plus. Tu te mets en vigilance. Comme ça. Toi. Tu vas peut-être soigner ton pote là. Hop, je tac. Voilà, ça c'est pas mal. Et tu vas te mettre en vigilance par ici. En fait, j'aurais dû aller faire beaucoup plus tôt les tourelles là pour pouvoir. No time to waste. Pour pouvoir. Pour qu'elle s'active et que ça soit plus facile, quoi. Là, ça va le faire. Je vais soigner la sniper avec lui. Avec elle, plutôt. C'est qui d'ailleurs? C'est Sophia Brown. Ah non, c'est Ardara. Là, voilà. Je peux rien faire de plus, là, de toute façon. Je peux courir, ça me sert à rien. Ah, j'aurais dû courir. Allez, on va voir ce qui va se passer là. Oh non! Putain, le truc utilisé pour rien. Ah, il se barre par contre. Il est effrayé. Ah, il a récupéré du coup. Il reste quoi? Il reste deux gars là, il reste un sniper là. Il en reste un au milieu là. Le sniper il va me faire chier, les champs. Lui il va vraiment me faire chier. Il y a le correcteur là, ouais. Encore un correcteur. Bon. Oh là là, mais quel nul. Quel nul. Alors déjà, première chose, toi, tu vas soigner. Ouais.
Voilà. Pas mal. Ensuite. Tu vois un correcteur là-bas. C'est pas ouf. Tu vas venir te mettre là. Tu vas te repositionner là. Qui c'est que je vois? Ah, c'est celui là-bas que je vois. Sécuriser la zone. Faut vraiment que je tue tout le monde là. C'est un peu chiant ça. Toi, est-ce que tu vois quelqu'un? Toi, tu vois personne. Tu vas te mettre en vigilance, je crois. Par là, comme ça, là. Sniper, c'est pas mal, ça. Ok. Toi, tu vas te mettre en vigilance par là. Toi, tu vas te mettre en vigilance par ici. On va attendre, on va jouer la défensive, là, maintenant. Ok, il me reste elle. Ah, de là, elle peut tirer là-bas. Pas mal ça. Repositioning, I hope this works. Vas-y, bah, go. C'était pas ouf, mais c'est mieux que rien, on va dire. J'espère juste que lui, il va pas pouvoir rentrer par là. Bah non. Par la fenêtre, là, peut-être. Ok. Terminé le tour. Bon. Oula. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non, j'ai plus de tourelle. J'ai plus de tourelle, donc maintenant je suis en défense totale. Oh non, mais c'est nul ça. Putain. Ça se déclenche alors qu'il est derrière un mur, ça. Oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes nuls! Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils sont nuls! Gotcha. Ah, je l'ai touché. A priori. Non, non, non. Et lui, il va faire quoi? Il reste là-bas, putain. Ah, il reste une tourelle là. Ok. Bon, bah toi. Tu tapes ça. Ouais, vas-y, tape ce truc là. Allez. Voilà. Très bien. Le snipe recharge. Vigilance par ici. C'est pas mal ça. Là, c'est Ardarin. Tirer sur lui en bas là. Très bien, bah vas-y. Shoot. Shoot. Et oui, c'est nul évidemment. Recharge. Putain, on en aurait utilisé des balles là. Non, bah non, on va essayer de finir celui-là. Oh, quelle bande de bras cassés. Vas-y, toi tu viens te mettre là. Tu vas tirer sur lui. Hein. Voilà, tiens, dans ta bouche. Dans ta sale bouche. Très bien. Et Sophia Brown, et ben. Vigilance. Vers le snipe là-bas, c'est mieux. Ce qui m'embête, moi, c'est qu'il doit y avoir deux mecs là ici. Hein. Même, peut-être même trois. J'ai pas envie de bouger en fait. Ok, lui saigne là-bas. Ouf. Vas-y, déplace-toi, ouais. Très bien. Raté. Il est visible ou pas là? Faut qu'il soit visible. Non, lui va me tirer dessus. Ok, très bien. Ça me va. Encore. Ouch, 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 ouch. Saignement. Bon, au pire, je peux saigner encore un coup. Je sais pas. Est-ce que je le vois, lui? Oui, je le vois. Ça m'arrange parce que toi, tu vas pouvoir lui mettre un headshot, s'il te plaît. Tu te rates pas. Hein. Parfait. Ça, c'est très très bien. Toi,
Attends, on peut pas tirer sur lui là-bas. Qui nous reste qui là en ennemi? Vraiment. Il nous reste que ces deux-là en fait. On est d'accord. Tu vas venir là. Tu vas. Allez, tu cliques pas. Voilà, merci. Très bien. Toi, t'as déjà joué. Non, t'as pas déjà joué. Tu le vois pas, lui. Pas moyen de le voir, là. Si, on va en plus par là, peut-être. C'est hyper risqué, ça. C'est couillu, là, de venir là, non? C'est un peu couillu, là, non? J'ai l'impression. On va tenter le coup. Let's just get this over with. Ah oui, c'est hyper couillu, effectivement. Oh, peut-être pas tant que ça, finalement. Hein. Et si je viens par là, là, je peux le toucher par là, non? Oh. Il est mort? Ah! Est-ce que j'ai fini? Ouf. Eh ben, cette mission, hein. Ça aura été Pandax, hein. Vraiment. Vraiment, ça aurait été chaud. Hein. Dis donc. Alors, eux, là, je suis pas pressé de les rencontrer, hein. Vraiment. Ça a l'air d'être des berserkers, un truc comme ça, quoi. Mais vraiment, je suis pas pressé de les rencontrer. Ouh. Et je vois que ça fait 30 minutes que je tourne, donc je vais terminer la vidéo ici. On va voir ce qu'on me dit. Je vais essayer de me diriger vers mon QGA. Phoenix Point. This is Research Team 1. Area secure. No hostiles in sight. We're heading into the facility this creature came from. Stand by for direct feed. No idea who owns this place, but they have some serious tech. We're seeing a lot of bodies. Not all of them human. Whatever broke out from here. Looks like gen research. Whatever they were trying to make didn't like being kept in here. Moving into further. I'm seeing more tech here. It looks like... Maker. Phoenix Point, we found something you might want to see. Get a lab ready. We're bringing some tech back to base. Oh oh. Un truc intéressant. Souche de corruption du virus. Une nouvelle souche de corruption est apparue. Contrairement au Pandora virus, elle infecte les individus qui subissent des attaques physiques en combat ou en entrant sur les sites corrompus. Chaque point de corruption ronge la volonté de la personne affectée tout en ayant des effets secondaires d'augmenter les dégâts qu'elle inflige. Les soldats obtiennent 2% de dégâts infligés aux points de corruption. Les recrues trouvées sur le site corrompu sont affectées par la corruption. Ok. Et... Gêne et éthique. Nous sommes parvenus à sécuriser le laboratoire et à tuer l'abomination. Les détails... Concernant sa nature reste inconnue, mais nous avons trouvé de l'équipement génétique de pointe dans le laboratoire. Tout le matériel en état de fonctionnement a été envoyé à Phoenix Point. Nous craignons que quelques spécimens pandoriens porteurs de l'infection aient réussi à s'échapper pendant le nettoyage du laboratoire. Ok. Nouvelle recherche disponible. Effectivement. Alors toi, tu vas reprendre une... On va leur redonner des chargeurs. Hop. Et toi aussi, voilà. Peut-être pas deux chargeurs quand même, hein, ça suffira peut-être. Ok. Bon, très bien. Statut de corruption. Corrompu. Trois corrompus, ok. Du coup, ça c'est mon anticorps où il y a les corrompus. Donc là on a gagné un niveau. Ok. Courir c'est pas mal, donc on va le prendre. Et il a 20 points de soldat, on va lui donner un peu de volonté.
puissance. Allez. Voilà. Ensuite, ça, il faudrait qu'on le ramène à une de nos bases. Elles sont nos bases, elles sont ici et là-bas. Et notre autre avion, il est où lui? Ah oui, il est là-bas en haut et il est en train d'explorer ça. Ok, donc toi, tu vas revenir là. Donc l'autre, c'est bon, il est en train d'analyser ça. Ok, donc c'est un truc comme ça, donc on s'en fout. Toi, tu vas... J'avais pas une mission par là? Là, j'avais un berserker récupéré. Là, c'est quoi déjà les trois petits points? Je sais plus. Échange de ressources. Ah oui, ça échange du bleu, là, contre fin de ça, contre de ça. Ok. J'avais encore dit que je m'arrêtais. C'est quoi ça? Mission disponible, s'élever par le... par péché, tomber par vertu. Ah ouais, donc c'est une mission principale, ça. Okay, écoutez, on va se diriger par là-bas. On peut recruter un berserk, là. Est-ce qu'on recruterait pas un berserk? Qu'est-ce qu'ils font, les berserk? Information. Ah oui, c'est ça, tu vois, c'est eux là, les berserks. Tête blindée, pistolet, massue. Donc eux, ah, ils ont beaucoup de points de vie. Tête blindée, ah, mais il doit coûter cher du coup, lui, non? 504. Il donne une unité contre l'étourdissement. Une... Ok. Je suis pas super fan. Contact et pistolet. Ah, dégâts 160. Dégâts 160. C'est un peu abusé, ça, non? On est d'accord? Non? 160. Je vais tenter le coup. Je vais tenter le coup. Hein, hein, ça coûte pas grand chose, on verra ce que ça donne. Il a une arme, on va lui donner un truc comme ça. Bon, en fabriquer aussi. En fabriquer, hop. On va retourner. Alors dans les recherches, j'ai lancé quoi là? Ça on s'en fout. Technologie VOCinerie, je m'en fous. Tout ça on s'en fiche. On doit avoir une nouvelle recherche. Fusée éclairante. Capsule de sauvetage. Autopsie. Ah, ça serait pas mal. Ça, 5 jours. Ouais. Génétique mutoïde. Le matériel de recherche trouvé dans le labo génétique inconnu fait référence à une série de projets en lien avec la création d'entités génétiques autonomes. Apparemment, quelqu'un essaie de fusionner les sujets humains et de l'ADN pandorien selon une méthode plus contrôlée afin de créer des soldats parfaits. Étape bonus, la production de mutoïdes est disponible. Je suis pionnier avancé, ça j'aimerais bien voir aussi. Ça, ouais, ça, genre je m'en faire un de fusil comme ça. Capture et confinement de pandémie. Ah oui, ça peut être pas mal, ok. Bah on fera ça après. Je peux l'ajouter là, voilà, à la liste. Ok. Alors, Geoscape, toi, tu vas te diriger par là. Et on va attendre de voir. Oh là, qu'est-ce qui se passe? In his essays, my great-grandfather recounts the story of the ill-fated Qinling Bashan expedition of 1915 and the journal of Lei Meng, the leader of the mission, who found evidence of a forgotten proto-civilization deep below the ground. There is also mention of James Dawson, a British photographer who stole most of the precious samples recovered by the team. What became of Dawson has always been a mystery, but now I know the mundane truth. He died here in the mountains, forgotten and alone. This proto-civilization, could it hold the key to defeating the Pandora virus? They say history repeats itself. Has all of this happened before? Oh oh. S'élever par péché, tomber par vertu. Mais je suis déjà arrivé là.
Les corps de Sime sont menés, nos agents, à un camp montagnard laissé à l'abandon. Derrière le camp se trouve l'entrée d'une grotte inspectée. L'autre contient le corps d'un mâle caucasien. Il est difficile à identifier à cause de feuilles jaunies et maladives sortant de sa peau ratatinée. Sac à dos sur le sol contient des photos ternies et des éprouvettes brisées. Simes semble déjà avoir récupéré ce qu'il cherchait. Mais même les vestiges constituent de quoi bouleverser notre compréhension de l'histoire biologique de la planète. Notre analyse des feuilles sortant du cadavre contiennent des traces de Pandora virus. Mais une souche plus ancienne, cette découverte ouvrirait de nombreuses pistes de recherche. Hein, ok, donc je suis arrivé ici déjà. Et eux là-bas, ils se sont soignés? Pas encore, pas tout à fait. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là, et puis ben, on verra la prochaine fois ce qu'on fera. Sûrement qu'on essaiera de se diriger par là, je sais pas comment. Je sais pas comment on va se diriger par ici, peut-être en passant par le haut là, par ici. Hop, en venant là. En rien, elle est active. Il y a lui là qui m'embête un peu aussi, mais bon, on verra ça. Capture et confinement, ça on est en train de le faire, donc c'est bon. Personnel. Personnel, alors lui il a plus de balles, il manque d'endurance, mais là ils sont en train de se, ils sont tous en train de se soigner. Donc lui, comment je fais déjà pour le recharger, je sais plus. Ah là, clac, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et lui c'est pareil. Ouais, mais ça me produit. Ouais, en fait ça me produit un chargeur pour que je le recharge, c'est pas ouf quoi. Lui ce serait bien que je puisse... Le Pythagore 7. Je parle, mais je me suis toujours pas arrêté du coup. Donc écoutez, on va s'arrêter là, et la prochaine fois, on continuera notre aventure. Allez, donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation, et je vous dis à bientôt pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut à tous, ciao!